Bon, donc ce roulement-là, bon, il est encore chaud, mais il a moins de décoloration ici que l'autre. Donc probablement, il est beaucoup mieux graissé par la pompe à huile que l'autre. Donc là, on a mon roulement fraîchement sorti du congélateur pour qu'il rentre plus facilement. Maintenant, on va chauffer. Donc là j'ai mis le vilebrequin au froid et donc ce roulement là, donc c'est celui qui était plus bon, et on voit bien qu'il est moins graissé que le roulement qui vient de l'autre côté parce que là il y a une entrée d'huile, donc l'huile elle rentre là par le carter, il y a une partie de l'huile qui ressort ici pour aller dans le filtre centrifuge et une autre partie de l'huile qui sort par ce trou et qui va donc directement graisser le roulement ici. Donc ce roulement là est beaucoup mieux graissé. Donc maintenant on chauffe l'autre carter. Donc là j'ai remis ceci et maintenant il faut remettre l'arbre équilibreur. Donc comme ceci. Et là on est bon. Donc pâte à joint noir. Donc là, la chaîne, elle est en face du point de repère en haut.
et je vais juste la mettre en face des points de repère en bas. Dans cet ordre là c'est plus simple on dirait. Et voilà. Et donc là on est bon, il y a mon point de repère là qui est aligné avec la clavette et ça qui est bien tout à fait en haut. Donc là on est bon. Oh. Bon ben il n'y a plus qu'à revisser la culasse. Resserrer la culasse. Donc le couple il me semble, ouais c'est 24 Nm. Donc c'est vraiment pas beaucoup. 24 Nm pour les 4 boulons. Ici. Hop, et le tendeur à remettre. Donc je remontre le tendeur, comment il fonctionne, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo. Donc on enfonce, on visse ici, jusqu'à ce que ça ne marche plus. Donc je le mets. Je serre les écrous. Donc là on regarde bien la chaîne. Donc là elle est encore détendue. Pas que ça la dérègle. Et hop là. Et là elle est tendue. Il n'y a plus qu'à resserrer l'écrou qui bouge. Donc là, ça, ça vient comme ça, comme ça. Tac. Et si j'actionne l'embrayage, je soulève ceci. Donc, parfait. L'arbre du kick. Donc, du chouk. Ouais. Le petit câble de masse fixé sur ce boulon. Le câble d'embrayage à fixer sur ce boulon.
Donc maintenant le pot d'échappement est remonté. Bon, donc la moto claque encore. Bon, alors j'ai pas pu voir de dégâts quand j'ai ouvert le moteur, donc peut-être que c'est normal qu'avec ce kit, comme il a plus de compression, le moteur claque un peu. Donc ce que je vais faire un petit peu de rodage, donc 500 km de rodage, et je vais voir ce que ça donne. Donc après, je vais voir si elle a vraiment plus de puissance avec le kit 150. Et sinon, ben, je remonte l'origine.